Et on rejoint Marie-Camille. Bonjour Marie-Camille. Bonjour. Bon Marie-Camille, tu es notre commis de la semaine. Oui. Hein. Tu cuisines donc tes petites recettes anti-gaspi depuis le début de la semaine. Tu es en première année en BTS hôtellerie et restauration à l'école de Paris des métiers de la table. C'est ça. Qu'est-ce que tu souhaites faire après ta formation? Je souhaite continuer en licence de cuisine toujours. D'accord. Pour après faire une mention complémentaire en pâtisserie. Ah oui, spécialisée. Toi, tu es plutôt bec sucré. Hein. Eh oui, hier, tu nous as cuisiné des petites barres de céréales à la banane. Oh, j'en salive encore. Ton défi d'aujourd'hui, c'est de cuisiner avec un produit qu'on peut avoir dans notre placard, un reste d'anchois mariné. Alors, c'est pas très facile à accommoder. Qu'est-ce que tu as décidé de faire avec ces anchois? Alors, moi, j'ai décidé de faire une tartelette sablée au parmesan avec une purée d'aubergine aux anchois. Ça sent bon d'avance. Mais alors, tu vas mettre quoi dans ta tartelette? Ma tartelette, je vais mettre du beurre, de la farine et du parmesan. D'accord, bah écoute, moi je te laisse commencer. Tu vas commencer par quoi justement? Par cuire les aubergines pour faire une purée. Tu les fais cuire comment tes aubergines? À la poêle, avec un peu d'eau. Un petit filet d'huile d'olive? Voilà. Ah, juste et ce qu'il faut. Et il faut pas plus, hein? C'est bien. C'est bien, hein? Simple, c'est bien aussi. C'est bien aussi. On a la saveur du produit et je pense que tes tartelettes, waouh, elles vont envoyer du bois, comme on dit. Alors, donc vous pouvez retrouver bien sûr la recette de Marie-Camille sur le site de La Quotidienne, la suite.